going to see phase two. Nothing. Watching Diane, your love dreams. Ma confiance, tu vas bien dormir. Quand tu te réveilleras, tout sera arrangé. J'ai pas tenu ma promesse. Pourquoi t'as fait ça? Je les aurais dénoncés, on peut pas leur faire confiance. J'aimerais que tu rêves de nous deux. Et que dans ton rêve, tout se passe bien. Et qu'on vive notre vie comme tout le monde. Loin de tout ça. Quand j'ai écrit ce film, je pensais beaucoup aux films noirs, aux séries B. Dans le cinéma américain des années, disons, 50 à 70. Ça pouvait être Des Amants de la Nuit, comme ça, de Nicolas Ray. Honeymoon Killers, de Leonard Castle. Et donc voilà, moi, je me suis vraiment dit à l'écriture que j'allais écrire, enfin, que j'allais écrire ce film dans, avec ces repères-là, quoi. Donc, ça veut dire qu'on est dans un lieu très codifié, c'est-à-dire le milieu homosexuel parisien, avec la criminalité, beaucoup de noirceur. Et puis, l'idée comme ça, pour les amants criminels, d'un ailleurs meilleur et d'une cavale, avec des personnages qui débarquent comme ça, qui sont nouveaux, qui donnent l'illusion pendant un temps qu'on va vers la lumière. Et on se rend compte, en fait, que chaque personnage porte aussi son lot de tragédies, quoi. Mets-toi à quatre pattes. Je le sens pas. Fille-moi la thune, maintenant. Quand je vais au cinéma, j'aime bien être heurté par ce que je vois et j'aime bien sentir des partis pris forts. Alors après, ils me plaisent ou ils me plaisent pas, mais en tout cas, des partis pris. C'est un vrai bordel, cette ville. Surtout quand t'es jeune, pas trop laid, que t'aimes ça le cul. T'es le roi, ici. Ah, je sais. Mais quand t'es plus le roi. C'est exactement le genre de question que je me suis jamais posée. Alors que j'aurais dû. L'âge, quand t'es pédé, c'est comme pour les chiens, faut multiplier. Plus de 30 ans et c'est déjà la fin. Si on s'aime, c'est pas la fin. Pour moi, ce qui m'intéresse dans le sentiment amoureux, c'est ce côté naïf et mièvre. Mais j'arrivais pas, depuis que je fais des films, j'avais du mal à le filmer. Parce que justement, j'avais pas le comment dire, le côté noir, quoi. Et j'avais besoin de ce côté-là pour vraiment me lâcher sur les scènes amoureuses. Et là, vraiment, on a les violons, on a les couchers de soleil, on a la neige, on a les bateaux mousses. On est vraiment comme ça dans une imagerie idyllique de l'amour entre deux personnes. Ça correspond aussi à ce que j'observe et à ce que je peux éprouver aussi dans le sentiment amoureux. C'est-à-dire quand je vois des gens, chaque fois que je croise des gens qui sont un peu expressifs dans leur amour, on peut trouver ça ridicule, mais c'est pas pour ça qu'ils s'aiment pas. Alors le but plutôt, c'est comment ne pas rendre ça ridicule. Et justement, moi, ce que j'ai trouvé dans mon film, c'était de mettre beaucoup de violence entre ces moments-là, quoi. Deux whisky de gaz, s'il vous plaît. 15 euros. C'est qui le mec avec toi? C'est mon petit copain. C'est le mec qui m'a agressé, ça. Samy, dis-moi, c'est qui le mec appuyé sur le pilier, là? Il y en a deux là-bas, comme ils te regardent. Tu veux pas aller les voir? Tu dois te tromper, c'est toi qui regardes. C'est pas moi. Non, je te jure. Retourne-toi. Je voulais, comment dire, filmer ce milieu dans une singularité, une des nombreuses singularités de ce milieu, qui soit pas la plus mise en avant. Parce qu'on n'en est pas nécessairement fier, parce que ça, c'est pas prime time, donc c'est vrai qu'on préfère montrer des homos qui se battent pour l'homoparentalité, pour le Pax, qui sont rassurants parce qu'ils disent on veut tellement ressembler à ces gens si formidables, appartenir à ce monde tellement fabuleux, ne plus être dans le bois et tout. Et moi, j'ai plutôt eu envie de filmer ceux qui restent dans le bois, quoi, ceux
qui continue comme ça d'avoir une vie différente, voilà, de la classe hétérosexuelle dominante. En faisant ça, ça me permettait aussi, en effet, de filmer des rapports assez originaux dans la façon de rentrer en contact, dans la façon d'avoir des rapports sexuels, dans la drague, dans les lieux. Ça me permettait de faire des scènes en extérieur, des scènes de sexe en extérieur, de faire tout ce qu'on voit dans le film. Mais c'est pas non plus de la science-fiction. C'est un gars que j'ai fait. Je crois que je l'avais buté. T'as reconnu ? Merde, mais oui, j'ai mort. Putain, arrête ! Merde ! Faut se tirer d'ici. Faut aller où ? Tu voudrais ou pas ? Stéphane, c'est un garçon qui dégage beaucoup de force, de beauté, et qui a une beauté comme ça très brute et assez sauvage. Et à défaut comme ça de l'enlaidir, je voulais aller dans un laisser-aller. Et ce laisser-aller, connaissant Stéphane, je dis, ça serait de grossir. Parce que la nourriture, avec l'alcool, je me disais, il va prendre tout de suite très vite. Donc j'ai demandé de pas mal grossir. Je crois qu'il avait dû prendre un truc comme une quinzaine de kilos pour le film. Et l'autre personnage, donc à partir du moment où j'avais Stéphane en tête, j'ai cherché quelqu'un qui soit très opposé à lui, donc qui soit aussi filiforme que Stéphane sans pâté, qui soit aussi blond que Stéphane était brun. Ça, j'ai vraiment voulu avoir l'extrême opposé. Dans notre paradis, les clients m'apportaient des corps différents, quoi, que j'avais pas encore vraiment filmé, des gens plus âgés, des gens qui correspondent moins aux critères comme ça de la beauté traditionnelle, mais à chaque fois j'avais envie quand même de sortir quelque chose de une silhouette, quoi. Enfin, je les ai quand même choisis. Je me suis rendu compte que s'il n'y avait pas cette beauté évidente qu'il y avait dans mes précédents films et chez les acteurs de mes précédents films, je pouvais pas prendre quelqu'un qui n'avait pas de beauté pour moi, quoi. C'est-à-dire que si je prenais quelqu'un qui avait des rondeurs, il fallait que ce soit des rondeurs que j'ai envie de filmer, qu'un personnage vieux, il fallait que, pareil, que j'ai envie aussi de... que quelque chose soit plus fort que la disgrâce, quoi. Going to stay face to nothing. Watching die, your life.